Bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on est quoi? On est jeudi 8 octobre les amis, une journée à marquer d'une pierre blanche pour eSport FA parce que c'est le début de la saison tout simplement. Et puis une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas commencer par du football ce soir. C'est les petites voitures qui vont être en compétition, les associations, les 50 associations qui ont bossé comme des dingues pendant tout l'été pour être au format d'eSport FA de cette nouvelle saison. Ils vont pouvoir se la donner sur le circuit, le Grand Prix d'Australie, sur le circuit Albert Park. Et avec nous ce soir, les amis, trois consultants de choc, le Julien Febraud de l'eSport, de l'e-racing, j'ai nommé The Joker TV. Comment vas-tu, The Joker? Bah ça va, la comparaison un peu... Ouais, il va falloir assumer maintenant. Il faut assumer, hein. Ouais, ça va être le plus compliqué. Hop, attention, la caméra qui a bougé. On est là. Avec nous également, monsieur F1 d'eSport FA. Il est multi-casquette, c'est un couteau suisse. Il est fort au foot, il est fort à F1. Mes connexions m'ont dit aussi qu'il était fort à NBA 2K. L'ami Saban. Ouais, salut les gars. Alors le couteau alsacien, je préfère plutôt que suisse, mais bon, on prend avec, hein, y a pas de souci. On prend, et cette caméra qui n'en peut plus tomber. Avec nous, il sera au bord du circuit, il a mis un gros casque pour ne pas choper d'acouphènes. Il est assistant manager de l'équipe de France, s'il vous plaît, de FIFA, mais c'est aussi un organisateur hors pair. Il est arbitre de hockey dans la vie, dans la Ligue Magnus. Attention, c'est un monsieur, le tout jeune Zouveka. Comment vas-tu, Zouvé? Ça va, merci. Donc voilà, trois consultants de choc. Moi, je n'y connais pas grand-chose en Formule 1. Hein. Je fais juste partie de ces gens qui aiment bien s'endormir le dimanche après-midi après le premier virage et se réveiller pour voir comment Romain Grosjean s'est mangé un mur. Ils pourront vous décrypter toute l'action. Moi, je vais être à la réalisation avec ma petite mallette ici. Je vais être à la réal. Donc là aussi, je vais vous demander énormément de tolérance parce que je n'ai jamais spec une course de... Oh là là, mais un petit tableau déjà pour Jesse Jackson, le Romain Grosjean du club pro, celui qui nous régale régulièrement de ses crashs dans le mur. Les amis, on a déjà sous vos yeux le roster, les 18 concurrents. Alors, normalement, ils étaient 20. Il y a eu quelques petits soucis, bien évidemment. Vous savez, en période Covid, quelques joueurs qui n'ont pas réussi à passer la douane. Peut-être que leur température était un petit peu trop élevée. Peut-être qu'ils ont toussé, malheureusement, au moment de la visite médicale. Mais voilà, on va vous les présenter. Et juste avant de vous les présenter, un grand merci à... d'ailleurs, ça va démarrer assez rapidement. Pendant que ça démarre, pendant qu'ils vont pouvoir faire leur petit tour de sortie, on va pouvoir vous présenter les 18 pilotes de ce soir avec... Merci beaucoup à Skyman, merci beaucoup à Ben, merci beaucoup à Flo. Comment on pourrait dire, la photo, le trombinoscope, voilà, je cherchais le mot, le trombinoscope de nos pilotes. Mais attention, ce n'est pas tout, il y a une petite animation qui vous est préparée avec le pilote de la Wanted, No Limit Senna. Il a beaucoup de supporters dans le chat, avec Ubitim aussi qui est présenté, représenté par Kevuri29, et lui aussi, il a de grosses ambitions. Le SC Toulon, qui a beaucoup bossé pendant l'été pour sa structure multigaming avec Brian02. Il y aura également Sainte-Geneviève des Bois, One Vision SGS, avec LCS91. Attention, ce n'est pas le LCS qui est l'un des meilleurs joueurs de football du pays. C'est un autre, c'est un pilote. Le FC Nantes aura sa petite voiture avec SFE Quinfri. SFE Quinfri, l'un des derniers à avoir rejoint le paddock. Marignane avec le numéro 13. J'espère que tu lui porteras chance ce soir. C'est Spark. Hop là. Et on a... Et normalement, ils étaient un petit peu plus gros. La Louvière avec Greg, Grégoire 21, avec FDA également, FDA eSport, le numéro 53, Mister Skizzy. Attention, c'est un patron, c'est un vrai concurrent pour le titre.
Il y aura aussi les studentes e-sport, mon petit bébé qui sera représenté par l'un des plus charismatiques de la commu, Geeks d'Acosta. On va retrouver également le numéro 28 d'Ecclesia. Ils sont venus avec pas mal de supporters et Lacazette 9 sera leur pilote ce soir. Il y aura également la Clutch Rain, l'une des plus actives des associations avec Slayer B, le Belge, et enfin Bergerac, cette belle ville du Périgord qui sera représentée par Monstro 4. Alors, ils ne sont pas tous, ils n'ont pas tous été présentés. On va aussi parler de Le Gol Mexicain, on va parler de William. Alors, Le Gol Mexicain, c'est pour la Team Rocket. On va parler de William pour la Orcs. On va parler de Tommy pour Asgard, de Rally Monster pour Team Onfa, Kev Block pour Invision, maintenant on l'a vu Kev Block, Jacob pour Chamalière, Kevuri on l'a vu aussi, Joey pour Nuxstar, et ben je crois qu'on les a tous vus, et si, il restait Matt86 aussi pour la Devils, ça fait du beau monde les amis, on va se mettre tout de suite, rendez-vous sur l'Albert Park Circuit pour... Les qualifications, 18 minutes, les gars, vous me contredisez si j'ai des bêtises, 18 minutes et ce sera une course en 50%. Et je vais me mute parce que maintenant c'est à vous. Et ben voilà, donc Albert Park, circuit plutôt technique que beaucoup de monde connaît parce que c'est le premier circuit de la saison, c'est le premier circuit que tout le monde fait. Quand on commence un jeu F1, c'est un circuit connu. Alors, j'ai cru entendre plusieurs pilotes au fur et à mesure de jouer avec des gens qu'il n'était pas si apprécié que ça, vu qu'il est technique. Je sais pas ce que t'en penses, Savan. Qu'est-ce que t'en penses de ce circuit ? Bah, en fait, tout simplement, je pense que c'est un circuit quand même relativement assez simple avec des courbes très piégeuses. Des vibreurs très piégeux qui, au moment où justement les deux roues vont peut-être aller un petit peu trop à la limite, où on va peut-être un petit peu trop se sentir en sécurité. Bah c'est là où on va partir à la faute, justement. Mmh. Ouais. Et un secteur 2 plutôt compliqué aussi. C'est un circuit relativement rapide avec son fameux pif-paf que tout le monde connaît. Enfin, le mur, après le deuxième droite que tout le monde connaît quand on le prend un peu trop fort. Donc là, les qualifs ont commencé déjà depuis un peu plus de 3 minutes. Il y a déjà des tours de sortie. Il y en a déjà qui sont dans leur tour rapide. Si je ne dis pas de bêtises, nos limites Sénat à l'air. Geeks en tour rapide. Alors, Geeks en tour rapide. Est-il possible d'aller sur Geeks, mon cher Julien ? Oui. Voilà, incroyable. Parfait. Geeks en tour rapide. Donc Geeks qui est clairement un des favoris. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Geeks, c'est un YouTuber qui fait des vidéos depuis déjà plusieurs années sur les F1, sur les jeux F1, donc sur PS4. Maintenant, il est un peu sur PC aussi, mais il faisait sur PS4. Donc des tutos... des tutos et même il fait des compétitions. Donc là, voilà, il s'empare de la pole à 1:21.180. Un bon temps, un bon premier temps en M, suivi de Matt. Alors je ne vois pas très bien du coup, c'est pas assez gros pour moi. C'est Matt 86 or. Ok. Et Giggs qui vient de se faire dépasser par justement Spark. Spark, ouais. Et oui, exact. Spark qui vient déjà de prendre la première bataille, on va dire déjà, entre lui et Giggs. On sent que ça va être très très chaud entre ces deux pilotes. Après à voir, parce que Spark est peut-être en S, je n'ai pas les infos, si tu pouvais mettre les pneus. Ah oui, c'est vrai détail. Il est en S. Il est en S, voilà, ouais, c'est bien ce que je me disais parce qu'il y a un écart assez conséquent quand même. Il y a presque 7 dixièmes. Donc Spark pour l'instant qui a fait son premier tour donc en S comme beaucoup de gens. Il n'y en a que deux pour l'instant qui sont en M sur leur premier tour. C'est No Limit Senna et Geeks Acosta. Donc Geeks qui vient de se faire dépasser par Jacob et Tommy. Jacob 1:21.007, c'est un bon temps aussi quand même. Oui, on connaît Geeks bien sûr, c'est son premier tour. C'est départ, pense... Tony Truant. Oui. Ah oui, c'est, je pense que sa strat va être plutôt de partir en M. Ça se fait, en 50% de partir en M sur l'Australie. C'est toujours un risque, étant donné que si jamais il y a un problème dans les premiers tours et qu'on part en M, c'est un peu plus compliqué pour ce qui est de la stratégie. Quand on part en S, on peut plus simplement adapter. Quand on part en M, c'est un risque. Alors, qui c'est qui est encore en tour ? Il doit y avoir du coup Kev Block. Oui, c'est ça. Kev Block qui est encore en tour rapide. Il y a déjà un abandon. Kevuri. Kevuri, en effet. Qui n'a peut-être pas réussi
à finir son tour rapide et qui a dû rentrer au stand. Oui, mais là, c'est un abandon. Voilà, c'est carrément un abandon qui ne pourra même pas rerouler. Alors, ouais, ça va être un peu difficile pour lui. Terrible, 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 terrible. Donc, il y a d'autres gens. Grégoire en tour de sortie. Slayer en tour de sortie aussi. Donc, la pole pour l'instant est en 1-20-200 et c'est en S par Mister Skizzy. Skizzy qui est un très bon pilote aussi, qui joue PS4 depuis pas mal de temps, qui joue PC aussi de plus en plus. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui commencent à bouger un peu plus sur PC. Suivi donc de Spark, suivi de Jacob, suivi de Tommy, Giggs, Matt86, No Limit Senna, SFE, Kinfri, Le Gaul Mexicain et Kev Block. Donc pour les 10 premiers, suivi de Grégoire, Simu William, Slayer, Lacazette, du coup Kevuri, mais Kevuri qui est provisoirement ici vu qu'il n'a pas de temps. Il va sûrement être dernier étant donné qu'il est en abandon. LCSX91, Dylan 93 et Brian du 02. Oui, Skizzy qui représente FDA Excellium et bah, qui du coup a fait un très très bon temps, même si bon, il est parti en soft comme la majorité des autres pilotes. Je pense que la bataille va pouvoir être très très importante au niveau du premier tour. Et finalement, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, une petite voiture de sécurité risquerait d'user les pneus soft plus rapidement, et après avec les médiums on pourrait peut-être plus facilement, comment dire, garder le même train que ceux qui sont en soft, garder la même vitesse, la même course de croisière. Bah, après si la voiture de sécurité est au premier ou deuxième tour, oui, si voilà. Elle est plus dans les 5, 6, 7, là, c'est du pain béni pour eux, les gens, la majorité des gens qui sont partis en S vont sortir direct et vont mettre les hard et essayer de finir avec les hard, je pense. Que de la part, alors que partir en M, comment, tête à queue de la part Slayer. Ah. En tour rapide. Tête à queue de la part de Slayer. Du coup, si... Ah, bon, bah, il a dû repartir directement. Donc, du coup, il n'y a que deux temps validés. Sachant que No Limit Senna a fait deux tours avec CM. Et qu'il a fait un 20... Donc, c'était vraiment du tour d'échauffe pour No Limit Senna. Il n'y a que Giggs, pour l'instant, qui est parti une seule fois en même. Tour de sortie pour Giggs. Est-ce qu'il serait possible d'aller sur la caméra de Giggs pour voir les pneus qu'il a? Il est ressorti avec des pneus S, donc du coup il ne partira pas en M. Ouais, il partira pas en M, donc du coup c'était juste son premier tour. Donc Giggs qui veut clairement aller chercher la pole sur ce circuit, s'il repart en S, c'est pour ne pas du coup partir cinquième ou moins, enfin ou plus plutôt. Ouais, alors nous sommes sur la POV de William qui est sur son tour de sortie, si je ne dis pas de conneries. Oui, ça doit être son tour de sortie étant donné que... Ou alors son tour de rentrée. Non, il n'a pas validé le temps. Donc, tour de sortie. Non, parce qu'il n'a pas activé le DRS et il est très très lent là. Ah ouais, ouais, en effet. Là, je viens de voir le temps. Même s'il est dans le secteur 3, c'est vrai que voilà, il va le lancer dans vraiment pas longtemps son tour lancé. Bah, et... il le lance. Qu'est-ce que t'en penses justement? Dis-moi, est-ce que t'as peut-être un tiercé gagnant? Peut-être c'est un peu tôt, j'imagine, mais bon. Bah, peut-être t'as trois favoris. Je connais pas tous les pilotes, mais je connais le niveau de Geek, je connais le niveau de Skizzy pour avoir beaucoup joué avec eux. Je vois pas. Après, on m'a parlé quand même de William. J'ai cru voir dans le chat aussi que Kev Block était plutôt chaud. Je mettrai quand même une pièce sur Geeks. Il a une bonne gestion de course, il a quand même de l'expérience, il fait pas mal de compétitions. Je mettrai une pièce sur Geeks P1. P2, après le problème c'est que je connais Skizzy aussi, mais je connais pas les autres, on sait pas l'effet de course. Mais disons que comme ça, je dirais Giggs, Skizzy et William. Voilà, okay. Mais je connais pas, en fait c'est vachement dur parce que c'est la première fois que je commente on ici. Les voit, c'est la sûr. Première fois que je vois ce pilote. Ça va être compliqué, mais pour Giggs, je me fais pas trop de soucis. Skizzy en Australie, je me fais pas trop de soucis non plus. Je l'ai déjà vu jouer en Australie. On a déjà fait des courses en Australie ensemble. Je me fais pas trop de soucis. Giggs qui prend la pole. 1-19-986, c'est ça? Me semble que c'est bien 86, ouais. C'est soit 66, soit 86. Mais en tout cas, 86. Voilà, 86. Drapeau jaune secteur 3, ouh, tête à queue, et il a été William qui l'a évité de peu. Je sais pas s'il lui a fait perdre un peu de temps. William qui va finir son tour là de suite. Il a l'air plutôt pas mal, et oui. Et oui, bravo, bravo. Il passe devant, eh oui, très bon temps. Mais William qui... Alors attendez, tac, je vais reprendre ma petite fiche incroyable. William qui
représente ORKS, c'est ça? Orcs, la Orcs, ouais, Orcs. Tout à fait. Okay. La Orcs, bien connue justement d'Esport EFA. Une équipe multigaming assez familiale, assez soudée, on va dire ça comme ça, qui fait du bon travail. Et voilà, on espère les voir le plus loin possible, bien sûr, comme tous les autres. Hein. Comme tout pilote. Exactement. Nous ne sommes que impartialité en tant que caster. Nous ne sommes que impartialité. Donc, qui c'est qui entoure Tommy? Et LCS91 qui a aussi dépassé Giggs et qui fait en sorte que Giggs puisse peut-être prendre l'aspiration. On n'en est pas encore là, il reste encore 6 minutes, bien sûr. Mais la troisième place serait peut-être même avantageuse parce que la deuxième place est du mauvais côté. Oui. Ça reste un jeu vidéo, mais avoir l'aspiration c'est quand même ressemblant. C'est quand même pris en compte dans le jeu, le mauvais côté de la piste. Ouais. Pas comme en vrai, bien sûr, mais c'est quand même pris en compte. Du coup, alors il y a des petits lags, je sais pas pour toi, moi j'en ai. Alors non, moi c'est assez fluide justement. Là on est justement sur la pof de Simu Tommy qui est au début de son secteur 3, qui enclenche le DRS et voilà, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors qu'il y a des drapeaux jaunes de partout. Hein. On en voit au début du secteur, au milieu du secteur 1. Au milieu du secteur 2, c'est des gens qui sont en tour lent. Hein. Alors, je vois dans le chat Dreamsef qui dit « Par contre, les casters, les pilotes peuvent très bien partir en médium au start car tu as des pneus différents en course. » C'est faux. En fait, ton meilleur temps, pour les 10 premiers bien sûr, le meilleur temps que tu vas faire avec tes pneus, ce sera les pneus là avec lesquels tu vas partir en course. À partir de la 11e place, tu peux choisir les pneus avec lesquels tu vas partir. Donc, voilà. Bien sûr. Abandon de Dylan. Ah là là, Dylan. Dylan qui pourtant fait partie de nos pilotes hein, quand on court le soir justement. Et là, c'est dommage, j'avais misé beaucoup sur toi Dylan. C'est dommage. Mais ouais, pour revenir justement pour cette histoire de pneus, peut-être qu'il a confondu avec quand les qualifs sont sous la pluie. Et là, en effet, tous les pilotes pourront changer de pneus parce que, enfin, s'il pleut également en course, ils vont rester en pneus pluie, oui. Évidemment. Nous n'avons pas cette info pour l'instant, ça c'est dommage. Exactement. Bah, c'est la petite surprise, mon Joker. T'inquiète pas, on va voir s'il pleut. D'accord, très bien. D'accord. Notre envoyé spécial au bord de la piste. Alors que nous suivons encore Tommy, qui est dans son tour rapide, il va finir son troisième secteur, alors qu'il y a un drapeau jaune. Drapeau jaune, je n'ai pas vu où il est. C'est une voiture jaune qui est devant et qui est un peu plus lente. C'était pour laisser passer. C'est ça, voilà. Du coup, c'est Tommy, le FC Nantes. Tommy, voiture du FC Nantes. Est-ce que Tommy a fini Tommy au stand. La voiture. Ok. Alors moi, j'ai des freezes absolument toutes les deux secondes sur mon retour. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ok. Bah, sinon, déconnecte-toi vite fait et reconnecte-toi le temps que je meuble vite fait durant ces trois dernières minutes. Des qualifs. On rappelle 18 minutes de qualification. Il n'y a pas de Q1, de Q2 et de Q3. 18 minutes. C'est pareil pour tout le monde, sauf s'il y a un crash, bien sûr. Comme on peut voir, Dylan 93 et Kevuri vont partir de la dernière ligne parce qu'ils sont crashés. Mmh. Et pour l'instant, c'est toujours Simu Williams avec une 19-907 qui détient la pole. Mais bon, on sait que la piste s'améliore. Est-ce que notre Giggs est en tour actuellement? Trop rapide. Étant tout rapide, il doit être du coup... Voilà, ok, c'est bien ce que je me disais, il doit être vers... Hop. Il améliore le premier secteur. Il améliore de plus de 1 dixième son premier secteur. Giggs qui, là, a pour but d'aller chercher la pole, je connais bien le personnage. Skyzy aussi qui doit être en tout rapide, qui va essayer d'aller choper peut-être une deuxième ligne, enfin un podium de qualif. Ouh, c'était mordu ça. Drapeau jaune encore secteur 3. On arrive sur le dernier. Il y a un gros blocage de roue là. Ah ouais. Là il va arriver sur la dernière ligne droite. Attention, le temps, il est bon ce temps. Et c'est la pole. 1:19.664, c'est la pole, 323 millièmes d'avance sur son précédent temps. Je repère. Voilà.
Oui, pas de souci. Voilà, on va me le blé le temps. Voilà, c'est la première, les amis, c'est la première. Mais tu penses que ça va là pour l'instant, c'est de re... il est de retour. Il est de retour, le Joker. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ne vous donc, inquiétez 19-663 pour Giggs. William qui est en tour de sortie. Et Skyzy, une 19-416. Oh ah, je t'avais dit qu'il y aurait match entre les deux. Deux dixièmes carrément devant Giggs. Ça, c'est une surprise. Parce que habituellement, Skyzy n'est pas aussi rapide que Giggs. Enfin, ça se joue, en course ça se joue, mais sur des qualifs, généralement, Giggs est quand même plus rapide. Donc là, c'est une belle perf de la part de Skyzy. Très belle perf. Donc là, on est en train de suivre Spark, qui est en tour rapide aussi. Il arrive dans le dernier virage, la dernière petite courbe. Attention, quel temps va-t-il faire ? Spark est pour l'instant 5ème, et qui remonte 4ème. Il gagne une place, une 19-835. Une 19-835. Ouais. William qui est toujours en tour de sortie, du coup. Est-ce qu'il serait possible d'aller sur William ? Et William, voilà, on est dessus. On est sur William. Okay, il commence à peine son premier secteur. Parfait, William, qui va être intéressant. Ça va être intéressant à le regarder, là. William qui va peut-être essayer d'aller rechercher une pole devant Skyzy. Skyzy et Giggs qui ne peuvent pas relancer de tour. Et là, il est bien évidemment trop tard, hein, pour lancer un tour. Oui. Qui est à 4 dixièmes, à peu près un peu moins de 4 dixièmes derrière la pole, William. Il a bien pris les vibreurs. Qui est encore en tour de sortie. X91, est-ce que X91, est-ce qu'il aura le temps de valider son tour ? Je ne crois pas. Alors si, je pense que justement, s'il est encore en piste, justement, il y aura 3 minutes supplémentaire après les 18 minutes pour qu'il effectue son dernier tour. S'il a passé la ligne avant la fin du chrono. En tout cas, le goal mexicain qui est resté en médium. Hein. Alors, est-ce qu'il nous prépare une petite masterclass à la Gasly ? Ça, seul Dieu le sait. Mais de toute façon, il est 11ème, il pourra changer. Voilà, oh, le patinage ! Le patinage de William qui a failli perdre l'arrière. William... Et non, il reste à la même place. 804. Oui, il a fait un millième moins bien que son dernier tour, que son meilleur tour. Et ça, c'est le patinage, hein, tu l'as vu, justement. Ouais, le patinage l'a fait perdre un peu parce que je pense même qu'il aurait pu peut-être dépasser Giggs sans ce petit patinage. Ça l'a vraiment pénalisé sur la réaccélération dans la courbe. Et c'est vachement important, cette courbe-là, si on la prend mal, c'est toute la ligne droite qui est foutue. Donc là, nous sommes sur X91. Qui vient de passer le pif-paf, qui arrive dans le dernier secteur. X91 qui est en 1.19.870 pour l'instant, qui est seulement à 66 millièmes de William. Ouais, ça se joue, ça se joue. Entre la 3ème et la 5ème place, il y a juste 66 millièmes. Voilà, pour vous dire à quel point c'est serré. Et là, il a un bon temps, hein, je pense. Là, il a un très bon temps. Et oui, et c'est une pole. Et c'est une pole. Et c'est sur le fil. 19-343 pour X91. Très 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 beau temps. Très très beau temps. Très beau temps. Il nous a sorti une masterclass là sur ce dernier tour. Au moment où justement le temps est arrêté, on voit qu'il reste 1 minute 10 restant. Mais plus personne ne peut faire de tour à part ceux qui sont déjà lancés. Et on voit que tous les cadors sont justement déjà lancés. Donc voilà, je ne pense pas qu'il se fera rattraper. Je pense qu'il pourra justement. La casette, mais la casette targuer, voilà. A du spin au pif-paf, je pense. Ouais, ouais. Ah, voilà, et en plus, il rentre dans les. Il rentre dans les stands. Et donc, du coup, voilà le tableau pour la course. Donc, ce sera X91 en première position, avec suivi de Skyzy et Giggs, William, Spark, Jacob, Tommy. Matt 86, Brian, Kev Block, le goal mexicain, No Limit Senna, Lacazette, Quinfri, Slayer, Grégoire, Kevuri et Dylan 93 pour finir sur ces 18 pilotes. Donc plutôt belle qualif avec des beaux temps. On a 5 temps en dessous des 1.20 et c'est quand même une belle perf. Ça se joue à rien à chaque fois. Ça se joue, la pole se joue en moins d'un dixième. Hein. Clairement, ça se joue en moins d'un dixième. C'est des beaux temps. Tout le monde part en S, sauf
le Gaulle mexicain qui est en M. Après, à partir de la 11e place, ils peuvent changer comme ils veulent, donc avoir le choix des pilotes à ce moment-là. Mais en tout cas, de la première à la 10e place, tout le monde part en S. Donc normalement, ça devrait être une stratégie en SH. En 50%, c'est normalement du SH selon la gestion des pneus de chacun, mais ça doit être du SH. Si on part en M, et ben là, ça dépend. Si t'as, on avait déjà fait des tests et c'est déjà connu pour ceux qui arrivent vraiment à gérer les pneus en partant en M, tu peux faire un MS, mais c'est vraiment très dur. Il faut vraiment bien gérer les pneus, ou sinon c'est une stratégie à deux arrêts et très très agressive du coup, donc du MSS ou du SMS. Et donc voilà. Yes, bah du coup LCS X91, le pilote, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il représente Sainte-Geneviève. Et justement, bah c'est lui qui obtient donc la première pole de cette compétition Motorsport Simu Challenge eSport FA. Ouais les gars, effectivement LCS, alors bravo bravo à Joker hein, qui avait annoncé Skizzy d'Acosta, Geeks d'Acosta et William probablement dans le trio de tête. Il n'avait pas vu, il n'avait pas senti, il n'avait pas humé la vitesse de Lucas LCS X91. Alors pour tous les fans de FIFA, ce n'est pas le même LCS qui a été numéro 3e du ballon d'or de FIFA. C'est un homonyme, comme il en existe beaucoup dans le sport. Mais voilà, ça nous fait un LCS de plus qui est a priori ce qu'il est. Ah oui, non, bah là, très très beau tour. De toute façon, ça se voyait déjà à la sortie de la courbe. Il avait déjà un peu d'avance sur le temps et il est très bien ressorti. De toute façon, cette courbe, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on sort cette courbe, parce qu'on sort bien de cette courbe là, il faut vraiment plonger à l'intérieur et bien repartir, prendre XT au début et replonger à l'intérieur pour bien ressortir. Et ça, après, ça vous donne un avantage énorme. Et en plus, en course avec le DRS, etc., ça donne un avantage vraiment énorme. Alors que si on la loupe, bah du coup, ça nous flingue une bonne grosse partie de notre ligne droite. Donc là, non, c'était vraiment très, 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 très bien fait. Très beau tour, très beau tour. Allez les mecs, reposez-vous un petit peu. Je vais vous passer une petite transition et puis on reviendra, à mon avis, dans quelques petites minutes sur la course qui va démarrer tout de suite. Et de retour les amis, ils sont pendant leur tour de formation, ils vont pouvoir se placer sur la grille tranquillement avec donc LCS 91, le poleman de ce premier Grand Prix. Il sera, quoi qu'il arrive, le premier poleman de l'histoire du championnat Motorsport Simu Racing. Il part avec un bon avantage, hein. La pole en Australie, c'est vraiment un sacré avantage. Donc du coup, oui, LCS qui est suivi donc du coup de Skizzy et Giggs et William aussi, hein, trois gros clients. Suivi de Spark, Jacob, Tommy, Matt86, Brian, Kev Block, No Limit Senna, le Gaulle mexicain, pardon. D'ailleurs, le Gaulle mexicain, beaucoup de DSQ pendant ce tour de format. Hein. Le Gaulle mexicain, Quinfri, Greg War, Kevuri et Monstro. Monstro, donc du coup, nous sommes 19 maintenant. Ouais, Monstro a rejoint, du coup, il s'élancera de la dernière place, tout simplement. Il n'a pas pu participer au qualif suite à, justement, un souci, mais ce n'était pas le Covid, comme a pu parler You. Non, lui, c'était différent, lui, c'était différent. On y a cru au début, mais pas de souci. Donc la course qui va commencer
D'ici quelques secondes, les voitures qui vont s'élancer. Pénalité de passage au stand déjà dès le début pour Grégoire qui a dû faire le jump start. Et là, ça commence avec un très bon départ de LCS Geeks qui a pris directement la place sur Skyzy qui arrive premier virage. Skyzy qui le redouble. Ouh, drapeau jaune. Drapeau jaune. Alors, c'est écrit secteur 3, je pense que c'est une erreur. Du coup, pour l'instant. Kafri à l'arrêt. Ouais. Kafri qui a perdu toutes ses places. Kevblock qui a pris une place sur No Limit Senna. Du coup, pour l'instant, c'est à peu près les mêmes places pour tout le monde. Et là, on voit les stratégies d'arrêt au stand prévues. Donc, comme je disais, normalement, la stratégie de normal, on va dire, c'est du SH. Et sinon, c'est du SSM ou du MSS. C'est selon. Ou du SMS. Hein. Enfin, c'est selon quoi. Dylan qui prend une place sur la casette. Donc, du coup, LCS qui a réussi à garder sa place de pole. Enfin, sa place de poleman, donc sa première place. Secteur 2, drapeau jaune. Il y a eu un accident aussi, je ne vois pas qui c'est. Je crois que c'est Kevuri, si je ne dis pas de bêtises, parce que je le vois vraiment en retrait. Du coup, LCS qui a 5 dixièmes d'avance sur Skyzy pour l'instant. Donc, il y a déjà une bonne petite marge pour le premier tour. Enfin, pour cette fin de premier tour. Alors, déjà... Skyzy. On peut dire une chose, faut que Slayer finisse la course. Oui, KBSTD, je t'ai vu, on veut ton sub. Si Slayer finit la course, il offre un sub. Alors les gars, tous derrière Slayer pour qu'il finisse au moins la course. Et Skyzy qui... Dépassement de Dylan sur Slayer. Skyzy qui a débordé, qui a tapé le mur et qui se fait doubler du coup dans la foulée par Giggs. Meilleur tour en course, 1.29.005 donc du coup de LCS. Pour l'instant, ça ne veut un peu rien dire étant donné que ça vient juste de commencer. Et Giggs, du coup, qui a profité de la petite erreur de Skyzy. Je ne sais pas s'il a des dégâts sur l'aileron. Je n'arrive pas à voir. J'ai pas l'impression que son flap est endommagé. Donc, je pense qu'il a beaucoup de chance que ça doit être le côté de la roue avant gauche qui a tapé. Mais qui, du coup, perd une place, Skyzy. Il perd une place sur Giggs. C'est fort dommage. Il est, du coup, à 6 dixièmes de Giggs. Giggs est à 8 dixièmes. Donc, du coup, grâce à ça, LCS a pu encore prendre un peu plus d'avance. On est maintenant regarde, sur William qui est juste derrière Skyzy. William qui a pris l'aspiration justement. Il prend l'aspiration là sur Skyzy. Il essaye. Mais je pense que Skyzy a un problème hein, parce qu'il a du mal à tenir le rythme. C'est ça. Je suis en train de me demander s'il n'a pas un problème là, que le flap n'a pas pris. Ouh, il a vraiment débordé là sur. Ouais. Non, alors là, je pense que là, il va le doubler. Il a un souci. Il a protégé l'intérieur. Et 3 secondes de pénalité. 3 secondes de pénalité. Ouh, c'était très très limite. 3 secondes de pénalité pour Monstro. C'était très limite là ce qu'il a fait. Enfin, presque un contact. Ça s'est joué à rien du tout. Donc, un écart qui commence à se former entre les deux premiers et le reste du peloton. Oui, Skyzy qui est en train. Skyzy qui est en train de remettre au goût du jour le Trulli Train. Et Geeks qui vient de passer devant. Et non, LCS qui repasse encore devant. Non, il y a match. Il y a match entre les deux. Ouais. Ils sont à moins d'un dixième, toujours pas de DRS, si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas encore activé vu que c'est la même zone de DRS. Geeks qui est à l'extérieur, qui a bien bloqué la roue, il y a eu du patinage. Geeks qui reste juste derrière lui, ça va jouer vraiment très fort entre les deux là. Geeks qui a le meilleur temps d'ailleurs, je l'ai vu en 1.24, je n'ai voilà, plus il a le 1.24 virage, quelque là. Chose. Ah oui, là ça va jouer, ça joue très fort, là ça prend les virages très très fort. Mais attention à ne pas taper parce que sinon, derrière William peut facilement. C'est roue contre roue là, c'est vraiment très. Tu l'as vu ! Il ne l'a pas vu, LCS. Giggs qui s'est mis quasiment à côté de lui à l'extérieur. Et LCS qui y allait avec l'autorité. L'autorité qu'on aimerait que Bottas ait un petit peu dans la vraie vie. Alors que Giggs l'a passé. Ouais. Alors que Giggs l'a passé. Giggs qui passe premier. Du coup, LCS juste derrière. William, Skyzy qui est du coup cinquième. Donc effectivement, il doit avoir un petit problème d'aileron, je pense. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir les dégâts. Mais du coup, oui, c'est presque sûr qu'il a un problème d'aileron. Ah, il va rentrer. Et du coup, il va rentrer, voilà. Et il rentre, oui. C'est bien ce qui me semblait. Grégoire qui a 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Skyzy, 5 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans la voie des stands. Ça, c'est dommage. Alors... Là, du coup, il va être intéressant de voir si Skyzy va mettre des haches tout de suite, donc des pneus durs, pour essayer de finir la course avec ça. S'il est possible de mettre en détail, au lieu des changements de position, les pneus. Et alors, surtout que justement... Et il a mis des pneus.
Ah, il a mis DM, donc il va refaire un arrêt. Et voilà. Matt 86 qui a 3 secondes de pénalité aussi. Il y a beaucoup de pénalités en ce début de course. En 4 tours, il y a déjà eu beaucoup de. Oh, de le pénal. Crash, le crash. Et oui, il y a eu un gros crash. Énorme oui, crash là, justement. Disque, il a perdu pas mal de place. C'est. Oui, c'est. Non, j'arrive pas bien à voir qui c'est qui s'est crashé. C'est Matt 86 qui. Une voiture de sécurité voilà. Virtuelle. Voiture de sécurité. Ouh, il y a eu un contact. Il y a eu un contact. Bah, c'est Giggs qui a tapé LCS. Lacazette, pénalité de passage au stand. Oh, il a un drive-through. Il n'a pas respecté le delta de la voiture de sécurité. Du coup, il a un drive-through. Ça, c'est dommage. Giggs, je me demande s'il a eu une pénalité avec son contact sur LCS. Ah, c'est dommage parce que là, on n'a pas eu. Moi, j'ai eu un freeze. Alors, pour vous dire la vérité, j'ai eu un freeze. J'ai eu un freeze au moment où il y a eu l'accident et je suis revenu. Enfin, quand ça a pu freeze, j'ai eu juste des ailerons partout sur l'écran. Donc je n'ai vu qui s'est planté, mais tout ce que je sais, c'est que du coup LCS et Giggs étaient vraiment très bas. Donc est-ce que c'est pas un accident entre eux deux? Ouais, si c'est entre LCS et Giggs justement, on l'a vu dans le descriptif que You nous a gentiment montré. Et attention, hein, surtout dans cette partie des stands, parce qu'on rappelle, nous avons pas 10 écuries avec 2 pilotes, mais 20 écuries avec 1 pilote, mais 10 stands, 10 box. Donc, ils ne peuvent pas s'entendre entre eux. Chaque personne a au moins un coéquipier, on peut le dire, voilà. Un équipier au stand, quoi. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Ah, tout le monde peut faire des erreurs. Donc du coup, ça profite bien à Tommy. Du coup, qui est premier, Brian, suivi de Brian, Kev Block, le goal mexicain, Monstro, Dylan, No Limit, Slayer, Jacob, Spark, Skyzy, Lacazette, William, qui est 13e, du coup, qui a dû passer au stand aussi, Kevuri, Quinfri, Giggs, 16e, LCS, 17e, Greg et Matt86. Est-ce qu'il est possible que tu laisses en détail les pneus? C'est intéressant de voir ça. Alors du coup, on a quand même des gens en hard là pour l'instant, c'est bien ce que je disais. Donc du coup, LCS et Geek, si on prit le choix de finir la course comme ça, je ne pense pas qu'ils vont rechanger pneus. Donc mais tenir Spark 24 aussi. Tours avec des hard, ça va se faire. Ouais. Spark qui a de l'avance en plus. William. Hein, et William. Et William, ouais. Mais Spark qui, pour moi, risquerait d'être un des favoris justement. Parce que même si Jacob est en médium, il va devoir revenir. De tête à queue, pif-paf. Quinfri abandon. Ah, ça, c'est dommage, juste au début de la course en plus. Secteur 3. C'est au niveau du pif-paf, il n'y a pas de voiture pif-paf. De sécurité, ça, c'est étonnant. Ah, et du coup, Spark qui rentre au stand. Voiture de sécurité virtuelle, encore une fois. Et là, du coup, c'est un arrêt gratuit pour Spark. Kev Block, 5 secondes de pénalité. Vitesse excessive dans la voie des stands. Ça, c'est terrible. Du coup, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve que là, du coup, ceux qui sont vraiment avantagés, ça va être William Giggs, bah, tous ceux qui sont hard, en fait. Ceux qui sont hard, ils sont avantagés. Je ne comprends pas, en fait, le principe de l'FDM. Il doit avoir des dégâts, peut-être. Ouais, parce qu'il était en hard, justement. Il était en hard et il est revenu au stand Lacazette qui sort des stands là et qui passe en H aussi. Tous ceux qui sont H, de toute façon, ne vont plus rentrer. Donc du coup, ils ont juste à faire de la gestion de course et ils peuvent... Regarde, Giggs était 17e à 2 secondes. Tu vois. Il est déjà 11e avec les entre-stands, etc. Là, il est des hard. Giggs, là, ça va jouer. Moi, je dirais justement que ça va jouer entre les trois là, hein, entre LCS, William et Giggs pour de vrai. Parce que là, Skyzy, ok, il s'est arrêté très tôt, mais il a mis DM. Donc il va devoir forcément rentrer pour remettre DS. Donc lui, il va avoir une stratégie agressive. Donc si il n'arrive pas... En fait, l'important, c'est qu'il ne se fasse pas doubler par les trois qui sont derrière lui. Ouais, s'il se fait doubler par les trois qui sont derrière lui, ça veut dire que son rythme n'est pas suffisant par rapport au rythme qu'il devrait avoir avec sa stratégie actuelle. Donc là, le but pour Skyzy, ça va être de taper très très fort dans ses pneus. Il ne va pas devoir faire de la gestion de pneus parce qu'il va devoir changer. Il va devoir taper très fort dans CM. Bon, peut-être pas non plus les cramer en quelques tours, mais taper très fort dedans pour pouvoir finir avec CS... prendre un maximum d'avantages, un maximum de secondes d'avance pour pouvoir save quand même quelques places quand il va rentrer au stand pour mettre CS. Mais là, du coup, moi, clairement, ceux qui sont vraiment bien, bah, c'est William Giggs et LCS qui montent petit à petit avec les arrêts au stand de chacun, là, qui sont déjà, bah, regarde, déjà 10e, 9, 10 et 11. Et Dylan qui est allé au stand et qui a mis aussi des hards. Oui, tout le monde va mettre des hards, c'est sûr. À ce rythme-là de la course, ça fait bagarre 22 tours. Bagarre pour la 5-6-7, 5e place. Ah oui, et c'est très, très, très resserré entre Slayer, Jacob,
Slayer Jacob et No Limit Senna. Ouh, c'est roue dans roue, c'était presque roue sur la pelouse. Et 3 secondes de pénalité pour William. Ouf, ça c'était tendu quand même, il a bien plongé à l'intérieur. Magnifique dépassement d'El Jacob. Un peu serré. J'arrive pas à voir. Ah, il a dû. C'est El Jacob et. Il a dû freiner Slayer. Il a dû freiner. Bah, après, en même temps, il lui prenait l'intérieur. Il a été un peu fort dans l'intérieur. Mais c'est passé pour lui. Tant mieux. Du coup, Jacob. Jacob qui a pris la place à Slayer et qui est juste derrière Senna, qui a un dixième. Un dixième derrière Senna. Un peu plus maintenant. À Slayer qui il est sur la fin de ses pneus. Hein. Sixième tour. Est-ce que tu penses qu'il va vouloir vraiment essayer de faire de la gestion avec des médiums pour gagner plus de temps possible et faire qu'un seul arrêt? Parce que 6 tours, là, c'est un peu compliqué. Même non, Brian, on voit Brian qui 7 tours en soft sur ce circuit. C'est compliqué avec les. Je pense qu'il va essayer de pousser jusqu'au 8e, 9e. 8e, je dirais, même 9e. Allez, peut-être. Soit cette fin de tour-là, soit la fin du tour prochain. Du prochain tour, pardon. Et il va mettre des hard, je pense. Il va pas avoir essayer de mettre les médiums. D'accord. Et oui, donc Brian en tête de ce Grand Prix dans ce 8e tour. Brian, le pilote du Toulon eSport qui se fait attaquer par le goal mexicain. Ouais. Le pilote de la Team Rocket qui est venu harceler l'aileron arrière. Alors que j'ai un freeze. de nouveau. On rentre dans le pif-paf justement. Bien négocié par les deux, le DRS pour le goal mexicain qui va. Mais il faut prendre l'aspiration. Le goal mexicain qui passe quand même. Le freinage tardif, l'intérieur, c'est magnifique. Ça passe. Et 3 secondes de pénalité pour LCS. Pour LCS, oui, effectivement. Du coup, qui revient à égalité avec Giggs, si je ne dis pas de bêtises. Ah, Sparks aussi. Prend 3 secondes aussi. Mais effectivement. Du coup, là, il va être intéressant de voir si Slayer va rentrer au stand maintenant ou s'il va attendre encore un tour. Slayer, où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas là. Et il n'est pas encore. Est-ce qu'il va aller changer ses pneus maintenant? Non. Il va le faire au prochain, je pense. Il va le faire au prochain. Il va mettre ses H. Ou alors il va vraiment essayer de pousser sur les S. Mais ça m'étonnerait. Il faut vraiment avoir une grosse gestion. Et là, il a l'air quand même de. Bah, il défend ses places. Il a l'air d'être quand même assez agressif sur sa défense. Donc du coup, je pense vraiment qu'il va faire du SH et pas du SM. Pour faire du SM, il faut vraiment être très 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 économe. Faut être SM, pardon. Alors qu'il y a eu une pluie. Ah. Alors, très bien, très bonne blague. C'est cadeau. Une pluie de pénalité. Ah, secteur 1 et 2. Drapeau jaune, je ne vois pas qui c'est. Si tu as des infos, mon cher Zu. Kevin qui a sort de piste. Voilà, c'est vite parti, ça m'a l'air d'être. Kevin, LCS. C'était très risqué ce qu'il a fait. Très risqué. Et c'est passé magnifiquement là entre les deux. Alors que Giggs et du coup, ils sont tous bien remontés. Ils se suivent. William qui a pris un peu plus. Qui est déjà dans le top 5 avec ses pneus armés. Bagarre pour la 6ème place. 6-7-8. On l'a justement. Alors que Giggs qui continue à prendre l'aspiration de Senna, qui le prend par l'XT. Est-ce que ça va passer par l'XT? Oui, ça passe par l'XT. Senna qui vient de perdre 2 places d'un coup sur cette ligne droite plus virage. C'est dur. 5 secondes de pénalité pour Brian. Vitesse excessive dans la voie des stands. Qui vient de s'arrêter et du coup qui est 3ème. Pour l'instant 4ème. Qui va perdre pas mal de places. C'est normal. Il est au stand. Dylan qui prend une 3 secondes de pénalité à nouveau. Senna qui devrait rentrer aussi. Hein, avec ses pneus soft de 8 tours. Et il me semble qu'il n'est pas rentré. Et du coup, Slayer qui, comme je le disais, est rentré à la fin de son 9ème tour. Son 8ème tour, ouais. 9ème. 9ème, pardon, excusez-moi. 5 secondes pour Slayer aussi, d'ailleurs. 5 secondes. Et 5 secondes pour la casette aussi. 3 secondes, pardon. 3 secondes pour la casette, mais c'est 5 secondes pour Slayer. Et du coup, Giggs qui vient de passer Tommy. Giggs qui est de nouveau derrière William. Bon, à 5 secondes, mais de nouveau derrière William. Qui arrive du coup 5ème. Skyzy qui est sur ses pneus M de 6 tours, qui est 3ème, Monstro 2ème avec des pneus M, des pneus médiums de 9 tours, et le goal mexicain qui est sur des pneus M de 9 tours aussi. Ils n'ont pas changé de toute façon. Ils n'ont pas changé, ils ne sont pas arrêtés. Donc il n'y a plus que 4 personnes qui ne se sont pas arrêtées du coup sur cette course. C'est Greg, Senna, Monstro et Mexicain. Du coup, ça va. Alors là, du coup, je me demande ce qu'ils vont faire comme stratégie. Parce que partir en M. Soit ils vont essayer de pousser leur M et faire du MS, comme je disais. Soit ils sont agressifs.
et du coup ils vont faire du MSS. Alors Monstro a une très très bonne qualité de pour garder ses pneus. Ouais. Pour garder ses pneus, alors pour les courses que j'ai fait avec lui justement, il y a rien à dire. Il m'a eu une fois justement en faisant un tour de plus. J'avais les pneus qui étaient morts, qui étaient cuits. Il a réussi à faire un tour de plus et bah, ça paye. Hein. Ça paye tout de suite justement le tour de sortie. M'avait dépassé justement comme ça. Et là on voit le dépasse. Non. Pas encore. C'est. Ah, il c'est prend mieux la courbe. Hein. Là. Il prend mieux la courbe. Ouais. Il prend mieux la courbe. Et là avec le DRS. Ça va passer. Ça va passer pour Kevlock. Ça va passer qui s'était pris 3 secondes de pénalité il y a une minute. Et ça passe pour lui. Drapeau jaune secteur 1. Je n'ai pas vu Dylan. Dylan qui vient de se faire dépasser. Drapeau jaune secteur 2 encore une fois. Donc ça doit être juste des hors-pistes. Ça doit être des off-track. Du coup, Brian qui est juste derrière Senna. Vraiment qui le colle. Qui lui prend l'aspi, là ça va être compliqué de le doubler maintenant. Il reste à l'exté, prend bien la courbe, et là on arrive sur la ligne droite, plus pif paf, c'est là qu'il va falloir le doubler. Ah, c'est cuit de toute façon, avec 10 tours de soft, ouais, Senna. Moi, je l'aurais doublé après parce que là il va avoir le DRS quand même. Ah non, les pneus ça va pas, effectivement. Il y a un petit peu de patinage aussi. 5 secondes de pénalité pour Monstro, virage coupé. 5 secondes ? Il a dû sacrément couper pour avoir ça. Ah oui, il a coupé le virage des stands. Okay. Ouais, il a coupé le virage des stands et qui vient rentrer au stand. Kevuri qui reprend 3 secondes. Du coup, Monstro serait sur... Attends, est-ce que je peux avoir justement Monstro les pneus qu'il met pour savoir s'il est part sur une stratégie à 1 ou à 2 arrêts, à 1 arrêt avec les hards justement. Ça, c'est dommage parce que MH, c'est vraiment pas ce qui valait mieux partir en S du coup. Quand tu pars en M sur ce circuit, soit tu fais agressif et du coup, bah, comme je disais, tu fais MSS, soit tu fais M. Enfin, t'essayes de faire MS. Ouh, il a presque touché le mur là, non ? Dylan. Oui, il était pas loin, il était vraiment pas loin. Et Kevuri qui rentre au stand. Vitesse excessive dans la voie des stands, 5 secondes. Sachant que cette pénalité-là, donc les 5 secondes, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être dans le chat, les 5 secondes que vous obtenez quand vous rentrez trop vite dans les stands, donc quand vous arrivez sur votre pit stop, vous ne pouvez pas faire vos 5 secondes. Mais si vous rentrez dans les stands quelques tours plus tard, vous pouvez les effectuer, ces 5 secondes de péna. Donc si par exemple Kevuri, qui viendrait avoir 5 secondes, avait déjà eu 5 secondes avant, là, il va être immobilisé 5 secondes avant que ses mécaniciens puissent agir. Bagarre pour la 10ème place. Donc entre Dylan et Jacob, et c'est Jacob qui plonge. Ouf, il s'est touché. Aïe, grosse erreur quand même là. Il a vraiment plongé naïvement Jacob. C'est même pas de la faute de Dylan parce qu'il a vraiment plongé tardivement. Il y a le DRS juste après. C'est quand même... Et même là, il lui coupe un peu. Ouf. C'est quand même, c'était quand même osé de Jacob. Là, Dylan qui a dû quand même vachement ralentir. Il aurait pu attendre, étant donné qu'il y avait le DRS, etc. Il aurait pu attendre. Voiture de sécurité virtuelle, il y a eu... Ah, Slayer ? Slayer, Kevuri ? Slayer et Kevuri qui sont... Eh ben voilà, je sens qu'il y en a, ils sont contents dans le chat. Hein. Allez-y, dites-le. Slayer et Kevuri. Et voilà, Slayer à crash, évidemment. Aze, qu'est-ce qu'il y a ? C'est... Ça a été cool, hein. Vous lui avez porté la poisse. On lui voulait tout le mieux possible. Et... Ah, c'est dommage, peut-être la prochaine. Ce n'est pas gentil pour le pauvre Slayer. Du coup, 3 pilotes out, il en reste plus que 16, malheureusement. Du coup, au 13e tour, voilà le classement. Donc, le goal mexicain, premier Skyzy, deuxième Simu William, troisième Giggs, quatrième Tommy, cinquième Brian, sixième Spark, septième Kevblock 8e, Monstro 9e et Jacob 10e, suivi ensuite de Dylan Mat 86, LCS No Limit, Senna, Grégoire et Lacazette. No Limit, LCS pardon, qui est du coup 13e maintenant. Hein. Il a du mal à revenir. Il était passé en hard, il a dû avoir un petit problème. Il est repassé en M. Il vient de ressortir des stands, il est encore en M. Il a dû avoir un enchaînement de problèmes, le pauvre. Pourtant, il commençait très bien la course, il avait la pole. C'est quand même vraiment dommage pour lui. Abandon de Greg, et le quatrième abandon de cette course. Quatrième abandon de cette course. Et donc du coup, celui qui a les pneus les plus usés pour l'instant, c'est le goal mexicain qui a 13 tours sur CM. Qui ne s'est pas arrêté, du coup. Il ne s'est toujours pas arrêté, le goal mexicain. Et... Donc très bonne gestion de course pour l'instant.
justement. Pour l'instant, il est très bien. J'aimerais juste faire remarquer justement que Giggs, il avait 5 secondes de retard avant sur William. Il en a maintenant 7,5. 7,4, ouais, exactement. C'est William lui a pris donc 2 tours et demi depuis. 2 tours et demi, non, quand même pas. 2 secondes et demie, ça suffit, on va se calmer. 2 secondes et demie, donc entre le temps où on avait fait cette remarque, William qui s'envole, qui prend donc du coup cette 3ème place pour l'instant du podium. Oh, LCS qui passe. Et secteur 3, encore drapeau jaune. Oui, effectivement, bah après, je pense que Giggs là est plus dans une optique de gérer cette nœud pour l'instant et pouvoir taper peut-être plus tard. En tout cas, très belle gestion de course pour l'instant de Logo le Mexicain, qui est très régu, qui fait pas d'erreur et qui est pour l'instant premier, donc ça paye. Skyzy, j'aimerais bien voir les écarts si c'est possible, mon cher Julien. Est-il possible de voir les écarts? Enfin, les intervalles, oui. Plutôt. Alors que. Logo le Mexicain qui est rentré ou. Je sais pas s'il est allé au stand, il me semble, parce qu'il est passé troisième, du coup. Il a 12 secondes derrière, quand même. Hein. No Limit Senna, du coup. Ouais, le goal mexicain, soit il a fait une erreur, soit il a été au stand. Il est pas allé au stand. Non, il est pas allé au stand, il a fait une erreur. Hein. Ah, il a fait une erreur. Et il vient de taper la roue, et du coup, il passe quatrième, c'est dommage. Je lui ai porté la poisse. Ouais, je lui ai porté la poisse. Il y a de grandes chances, ouais. Malheureusement. Je lui ai porté la poisse, c'est dommage. Aïe, aïe, aïe. Je suis le pire. Désolé, le goal mexicain, c'est de ma faute. C'est après, cool. Il est peut-être allé au stand. Il avait peut-être dans sa stratégie prévu un tour trop tard. Il n'a pas réussi justement à garder sa trajectoire avec les pneus qui étaient un petit peu sur la fin. Et du coup, c'est Senna qui en profite et qui a 12 secondes d'avance sur Skyzy. Et 1 seconde 5 sépare Skyzy de William. Du coup, ça va être vraiment, vraiment, vraiment chaud. Alors que nous avons la caméra de Kev Block qui voit devant lui Jacob et Monstro très proche. Très très proche. Est-ce qu'il serait possible de voir la vue de William éventuellement? Ouais. Il est vraiment très proche de Skyzy. Skyzy qui. Je me demande ce qu'il va faire comme strat. Je ne sais pas. En tout cas, ça a payé parce que maintenant il se retrouve deuxième avec toutes les erreurs qu'il y a eu. Bon, quand il va s'arrêter au stand, je pense qu'il va finir un truc du genre 6-7ème. Vu les écarts, je pense qu'il va finir 6-7ème. Le goal qui va au stand, donc il a dû endommager un aileron. Kev Block qui prend 3 secondes. Dylan qui prend 3 secondes. Bagarre 9ème place. Bagarre 9ème place, du coup, pour Monstro. Et du coup, oui, c'est Jacob. Kev Block, peut-être la caméra de Kev Block qui est à 2 secondes derrière. Non, c'est trop loin. On voit pas. Donc, ouais. Donc ça, entre Jacob et Monstro. C'est proche. C'est proche. Il va prendre la DRS. Il va bénéficier. Voilà. Oui, il va bénéficier. Oh, il sort mieux en plus. Il sort mieux. Il sort mieux. Et paf. DRS. Là, c'est cadeau. Hein. Il a en plus la moitié de son ERS, mais là il peut économiser tranquille. Il se rabat, beau dépassement, un dépassement logique avec le DRS. Très propre. Alors que nous passons sur Brian qui est juste derrière le goal mexicain qui est ressorti 7ème des stands et qui est en H. Ah non, excusez-moi, non, il est en S. Il est en S pour 13 tours, ça se fait, va falloir quand même gérer un petit peu parce que 13 tours ça fait beaucoup quand même avec DS, mais. Ça se fait. Bah en tout cas, il va avoir un avantage par rapport à Spark, Tommy, etc. Alors bon, il est quand même à 7 secondes de Spark, si je ne dis pas. Il a 3 secondes 8 de Spark et justement à 10 secondes de Tommy. 10 secondes, ça risque même 11 secondes, ça risque d'être un peu compliqué de garder une place, à moins que, bien sûr, il y a des erreurs. Mais en sachant que le temps qu'il va gagner au début de son relais, il risque de le perdre à la fin, justement. Et William, qui est passé en dessous de la seconde. Qui est passé en dessous de la seconde, il est juste derrière Skyzy. Et là, il a le DRS normalement. Non, il ne l'a pas eu. Donc, du coup, il n'a pas eu la zone de détection juste avant. Donc, il aura sûrement, s'il continue sur ce rythme, le prochain DRS qui est après le pif-paf. Et là, il faut qu'il le maintienne. Je pense qu'il le voit, l'écart. Il se dit, il faut que je sois dans cette zone DRS pour le prochain, pour le doubler le plus rapidement possible. Et c'est là qu'on voit que du coup, il a un rythme assez élevé, William, par rapport à Skyzy, parce qu'en hard, t'es pas censé rattraper quelqu'un même, sauf si vraiment le rythme est beaucoup plus élevé. Et là, du coup, c'est le cas. Kev Block qui prend 5 secondes de pénalité pour vitesse excessive, encore une fois, dans les stands. Et là, il est à 8 dixièmes. Ça va passer pour le DRS. Il va pouvoir gratter. Il ne doublera pas avant la fin. Il le doublera pas avant la fin de la ligne droite, mais il va pouvoir le rattraper bien comme il faut. Et. Être encore plus proche pour la prochaine zone DRS qui est dans la ligne droite des stands.
Il a retardé un peu son freinage. Skyzik a un peu mordu la pelouse. Attention, parce que justement, No Limit Senac avait pas mal d'avance. Et maintenant, eh oui. Il doit avoir un problème. Et il les a laissés passer tous les deux. Il a dû faire une erreur. Il a dû faire une erreur. Et du coup, Skyzik qui se retrouve premier, mais qui va sûrement se faire doubler sur cette ligne droite. Il est un peu plus texté. Le prochain. Ouais. Et non, il se fera pas doubler sur cette ligne droite. Ouh, il a dû activer bien fort le LS là. Je pense qu'il avait le DRS, Skyzik aussi. Justement, au départ de Senna. La détection, exact. William qui prend 3 secondes. Dommage. William qui prend 3 secondes. Mais Senna, le pilote justement de la Team Rocket. Je sais pas si je dis des bêtises. Mais il me semble que ouais, c'est le pilote de la Wanted, pardon, qui avait vraiment beaucoup d'avance et qui d'un coup justement il s'est fait rattraper par les deux pilotes devant, mais il est pas rentré dans les stands. Continue sur ses hards. Bataille 5e, 6e place. Senna, oui, non, il a dû faire une petite erreur qu'il a. Peut-être qu'il a pété un petit peu son élan, je sais pas, parce que c'est vrai qu'il était relativement lent quand il les a laissés passer. Il les a vraiment laissés passer. Il est politesse, hein. Oui, alors, très poli, ça c'est vrai. Mais. Il a dit bonjour. C'est quand même vraiment étrange. En tout cas, Skyzik, je suis curieux de voir ce que va faire. 3e place, Bagarre 3e place. Geeks qui va passer. Geeks qui passe sur Senna, exact. Geeks qui passe sur Senna et qui revient sur le podium, ouais. Geeks, avec ses 13 tours, et qui est seulement à 5 secondes 7. De William, et du coup à peu près 6 secondes de Skyzik. Je me demande si Skyzik va, je pense que Skyzik là, vu qu'on est au 19e tour, il va essayer de faire CM jusqu'au bout. Je pense qu'il va essayer de le faire. Ah, ce serait pas mal. Après, ça serait vraiment le plus gros pari, et ce serait vraiment après, regarde, le poker ultime. Spark a 18 secondes de retard sur Senna. Et quand on additionne le tout, on peut aller 25 secondes. Il arriverait donc, je dirais, entre Spark et Tommy, justement, s'il mettait des softs. Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant, justement, pour pouvoir rattraper tout le monde et nous offrir aussi le petit peps qu'on aimerait avoir? Ou gérer et essayer de garder le podium, quitte à le perdre. Là, CM ont l'air encore supérieur par rapport au hard, mais d'ici, je pense, 4-5 tours, les M de Skyzik vont vraiment être au bout. Et c'est là, c'est pour ça que William push quand même pour être vachement proche de Skyzik. Mettre la pression. Là, ils vont se dégrader. Ils vont se dégrader de plus en plus, CM. Et du coup, il va le doubler. Il sait qu'il peut le doubler vers la fin, en tout cas. Mais si. En fait, là, il n'y aurait eu aucun intérêt. Il aurait dû s'arrêter déjà il y a 3-4 tours, en fait, Skyzik, s'il voulait mettre des rouges. Je pense que là, il va juste essayer de finir avec CM. Mais dans tous les cas, je le vois pas finir premier. Parce que là, ils vont se dégrader très fortement, ces pneus. Ça fait 16 tours qu'il les a. Ça commence à faire beaucoup là sur ces pneus. Sachant que là maintenant, sur ces premiers. Oh là là, cet écart s'est bien rattrapé là par William. C'est magnifique. Hein. Très, très bien rattrapé. Mais c'est étonnant quand même, hein. Il a clippé l'herbe avec sa roue arrière droite. C'est très bien rattrapé, ça aurait été dramatique et surtout ça aurait presque donné la victoire du coup à Skyzik. Sauf si Giggs faisait une remontée, qui remonte d'ailleurs, il a pris 5 dixièmes hein, depuis le moment où j'ai dit qu'il était à 5,7. Il a déjà pris 7 dixièmes, pardon. Il a pris 7 dixièmes, il est plus qu'à 5 secondes 3 du coup, 5 secondes 4 maintenant de Skyzik. Skyzik qui est en danger, mais... En fait, c'est simple, soit il prend le risque vraiment... En fait, il a aucun intérêt à prendre le risque de mettre DS maintenant, parce que là, il sait qu'il a un podium. Il pourra peut-être pas avoir la victoire, parce que ça va être vraiment dur de résister à William et peut-être même à Giggs, mais il sait qu'il peut avoir un podium. Alors que s'il passe les S maintenant, il est vraiment plus sûr d'avoir le podium. Sûr. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il va falloir qu'il remonte tout, etc. Donc là, le but pour Skyzik, ça va être de retarder le plus possible le passage de William, mais là je pense que ça va être fait sur ce tour là sauf il rentre au stand. Et oui, j'étais dans sa tête, j'ai vu le salon, je me suis posé dans sa tête. Je ne comprends pas sa stratégie, parce que tu t'arrêtes pas à 8 tours de la fin pour mettre des S. Il aurait dû s'arrêter bien avant, parce que ce qui fait qu'on peut faire que 8 ou 9 tours avec CS en début de course, c'est parce qu'ils sont déjà usés de la qualification. Normalement, tu peux en faire 11, 12, 13 éventuellement, si jamais tu gères bien tes pneus. Mais là, il va en faire 8.
Il va en faire 8. Oui, il ressort. Il va ressortir après Spark. Il ressort derrière Spark. Derrière Spark qui est en médium. Il va ressortir derrière Spark. Alors, s'il tape dedans, évidemment, Spark est avec des pneus M de 15 tours, pardon. 15 tours. Est-ce qu'il va réussir à rattraper Senna? À voir. Il est ressorti quand même assez rapidement. Il est ressorti assez rapidement. Ça veut dire qu'il n'avait pas de peine à 5 secondes. S'il avait une peine à 5 secondes, c'est compliqué. Là, la vraie question, c'est si. Bah déjà, s'il arrive à revenir 3ème, c'est une belle performance, Skyzy. Je pense qu'il devrait y arriver. Il devrait y arriver à dépasser, justement, quand on voit que Spark il reprend du temps sur Senna et que Skyzy il va manger, justement. Là, on est sur LCS X91, mais juste devant, il y a aussi Skyzy qui va récupérer la 4ème place hein, face à Spark. Et là, il va y avoir une belle bataille entre trois personnes pour la troisième place, entre Senna, Spark et Skyzy. Ça va être assez joué. Je pense que pour la première et la deuxième place, ça devrait pas bouger, sauf erreur d'un des pilotes. Senna de nouveau poli. Senna de nouveau poli. De nouveau poli, il essaie de nouveau mis de côté pour laisser passer justement Spark et Skyzy. Il doit y avoir un Senna et un tour, ça bug. C'est ce qu'on dit sur le chat apparemment. Ok. Ah. Ok, c'est problème d'affichage alors. Et là, voilà, il va récupérer la troisième place. Skyzy qui arrive à troisième. Très, très beau. Très bien joué. Bon, du coup, il a sa troisième place. Bon, là, il rattrapera jamais. Il remettra jamais 21 secondes à Giggs. Du coup, là, normalement, on aurait notre podium. Et là, à moins d'une voiture de sécurité. La voiture de sécurité dans les derniers tours. Lui en soft, les autres en hard. Ah oui, là, après, il a un avantage ultime. Il a un... Il faudrait qu'il y ait la voiture américaine, mais bon. Il y a une voiture de sécurité. Les deux qui sont plus... Enfin, celui qui est le plus avantagé, c'est Skyzy. Mais le goal mexicain aussi, avec cette NES de 6 tours, il a encore du jus, quoi. Il aurait encore du jus pour un ou deux tours, quoi. Ouais, en effet. En effet, et là, voilà. Dans ce 22e tour... On voit très clairement justement les deux premières places qui sont dessinées avec Giggs qui cravache, qui est à 4,5 secondes. William, comme tu as dit, il était au début de son run en hard sur l'économie. Il était sur l'économie. Là, il commence à accélérer. Ouais, c'est logique, c'est la stratégie habituelle quand tu pars en hard, tu économises au début. Et tu essayes de taper à la fin si tu vois que tu peux amener quelque chose. Là, je le vois. Là, il commence à revenir petit à petit. Il a 4,5 secondes de William. Ça joue entre 4,5 et 4,6. Je ne pense pas que ça va bouger. Et Skyzy qui s'empare du meilleur temps de la course en 1:22.781 avec ses S tout frais. Ouais, ça lui fera le. Ça lui fera justement du poker. Voilà, exactement. C'est peut-être ce qu'il cherchait aussi. Hein. Le goal qui vient de passer Senna. Le goal qui passe cinquième du coup. Et les gars, pour info, on a aperçu Kevuri dans le paddock, foudrage. Alors apparemment, il y avait un problème avec son volant, il n'a pas pu, donc ils lui ont installé une petite manette là dans la voiture, et apparemment c'était difficile à conduire pour Kevuri, qui est parti et qui apparemment a quitté Melbourne sans quitter sa combi. Ah, ok. Terrible. Terrible, terrible parole. Un joueur dévasté. Un pilote dévasté. Alors que nous arrivons dans la fin de cette course, hein. Passionnante quand même. Moi, la seule interrogation que j'ai, c'est Skyzy. Il aurait dû s'arrêter avant pour peut-être essayer d'avoir mieux. Tommy à l'arrêt. Oui, Simu Tommy, 11e qui voilà. 3 secondes de pénalité pour Dylan. Tommy qui a dû faire une erreur. Il a pété un bout d'aileron, on le voit. Il a pété son flap droit. Tommy hors course. Aïe, aïe, aïe. Tommy qui il n'arrive pas, il abandonne. Tommy qui abandonne. 5e abandon de cette course. 5e abandon de cette course. Et du coup, tout le monde qui va remonter d'une place. Donc, du coup, pour l'instant, ceux qui sont dans les points, hein, bah, du coup, c'est Brian Monstro. LCS. LCS qui est bien remonté, du coup, qui est 8e. Très bien pour lui parce qu'il avait fait un bon début de course, une bonne qualif. C'était un peu dommage qu'il lui arrivait au début de course. Senna, avec qui apparemment il y a un bug. Où il est à un tour des autres. C'est un peu bizarre. Il faudra qu'on voit ça avec lui peut-être après. Jacob, mexicain. Spark, Skyzy, Giggs et William. Giggs qui a 4 secondes 7. Je pense que ça bougera plus. Je pense que là, nous avons notre podium, notre classement en fait. Il y a juste Jacob qui pourrait peut-être se battre éventuellement. Je pense que la dernière grosse bataille qu'on va avoir, ça va être Jacob et le goal mexicain. C'est les deux seuls qui sont resserrés. Je pense que ça va être la bataille qu'il va falloir suivre là sur cette fin de course, sur ces 6 derniers tours.
Si le goal mexicain a bien gardé ses pneus, normalement il ne devrait pas avoir de soucis. Mais bon, ça risque d'être quand même compliqué parce qu'on le voit être assez agressif justement depuis le début de ce circuit. Sur les courbes rapides, les courbes lentes justement, il donne beaucoup sur les pneus et peut-être qu'il en manquera sur ses 4 derniers tours et que Jacob avec ses hards pourra revenir. Et oui, la zone de DRS, on voit le goal mexicain qui a du mal hein, justement à ramener sa voiture sur la traction, sur la droite. Je pense que Jacob va passer. Il y a même aucun doute sur le fait que Jacob va passer avant la fin. Là, les pneus de Le Gaulle, ça dépend comment il les a eus. Ouais, ça se voit que sur ces courbes-là, ça se voit, il a vraiment du mal. Là, il prend pas l'intérieur, il a du mal sur ses trajectoires. Et très intelligemment, Jacob qui attend la zone de DRS pour le dépasser. Non, il le dépassera pas là. Quoique, ouais, il est un peu trop loin. Hein. 3 secondes pour Brian. Ça aussi, ça va jouer, hein, justement, au niveau des pénalités. Alors, il y a eu 3 secondes pour LCS. Senna qui a chuté, hein, qui est désormais 8e. Et du coup, oui, je crois que ça va être la dernière vraie bataille. Donc, qui est Jacob, qui est à 5 dixièmes derrière Mexicain. 5 dixièmes, il est vraiment très, très proche. Vous le voyez, 2 dixièmes maintenant. Et non, les pneus de Jacob sont supérieurs. Là clairement... Ça va être un gros jeu de défense pour qu'il essaye de rester. Mais honnêtement, avec tous les virages, avec tout ce qui... Sur ce circuit, c'est très dur. Je le vois vraiment pas garder sa place. Sauf une erreur, bien sûr, de Jacob. Mais je le vois vraiment pas. Et là, oui, il va se faire doubler maintenant. Oui, voilà. Alors, voilà, c'est fait. Je suis pas très fan des gens qui doublent avant le pif-pas parce que c'est vraiment très dangereux. Et oh, et voilà, ça l'a poussé à l'extérieur. Voilà. Et du coup, petite erreur, bon, dans tous les cas, ça lui fait pas perdre d'autres places, il a pas de dégâts, il a rien, et c'était plutôt logique. Mais il aurait pu attendre le DRS pour le doubler. Je pense que c'est un peu se précipiter pour rien, mais dans tous les cas, ça devait être fait. Donc du coup, Jacob qui passe 5e, et le Golmé qui passe 6e. Presco qui nous dit dans le chat que LCS aussi peut passer 7e. Oui, Presco... LCS est 7e, mais après il faudra voir aussi à la fin de la course en fonction des pénalités de tout le monde. Ouais, voilà, parce qu'on a eu des mauvais, on a eu des mauvais élèves hein, dans cette course. On a eu des très mauvais élèves de nouveau. Et Kev Block. Disqualifié. Voilà. Et c'est terrible. Alors ça c'est rare quand même. Moi c'est la première fois que je vois ça. Hein. Quelqu'un se faire disqualifier pour beaucoup beaucoup de pénas. C'est bah, quand écoute, même. Bienvenue sur eSport FA. Non mais ça arrive. Mais moi c'est rare. Enfin, c'est rare que je vois ça en tout cas. Mais bah, c'est dommage, mais ça veut dire qu'il a vraiment pris beaucoup, beaucoup de pénal. Je crois que ça se fait à partir de 20 secondes de pénal de disqualification. Et Jacob qui se prend 3 secondes encore. Oui, il va falloir voir par rapport au pénal. Je ne sais pas, comme ça, à vue d'œil, je dirais que ceux qui ont le moins, c'est Skyzy, William et Giggs, parce que je n'ai pas vu trop leur nom défilé. Le problème, c'est qu'il y a quasiment 8 pages de pénalité, les amis. Ouais, donc, on peut vous les passer, mais... On verra ça à la fin, c'est impossible de... Skanky, qui nous dit 30 secondes de pénalité veut dire disqualification. C'est 30 secondes, d'accord, ok. C'était 30 secondes d'après... Ouais, merci Skanky. Après Skanky. Eh oui, Jesse, la rencontre de deux mondes, c'est exactement ça. C'est la rencontre entre les assidus de la Formule 1 et les passionnés. Qui pratiquent peut-être un petit peu moins, qui n'ont pas forcément cette science, cette stratégie de la Formule 1 un peu plus haut niveau. Alors que là, on va avoir un dernier combat sur LCS. LCS qui se rapproche quand même plutôt près là. Il était à 2 secondes tout à l'heure, là maintenant il est à 1 seconde 1 avec ses pneus M de 15 tours. Pneus M de 15 tours, alors qu'il a. Il vient de prendre 3 secondes. Fatigué. LCS ? Ouais, LCS vient de prendre 3 secondes de pénalité. À mon avis, il est en train de taper dedans très fort pour rattraper le goal en espérant qu'il ait beaucoup de péna aussi. Matt, 86, qui vient de reprendre 3 secondes. Ouais, tout va jouer. Le problème, c'est que là, il y a eu tellement de péna qu'on peut pas savoir. Ça peut pas être un classement définitif. On ne peut pas vraiment savoir. Mais en tout cas, la course a été vraiment bien gérée de la part de Giggs et William parce qu'ils ont toujours leurs pneus hard. Ils ont vraiment fait la stratégie normale et la plus utilisée, la plus adaptée pour ce circuit, quoi. Et du coup, on voit l'avantage qu'ils ont. Ils ont quand même 15 secondes d'avance sur Skyzy et 29, enfin plus de 30 même sur Spark. On voit qu'ils ont vraiment géré. Alors Spark, ouais, N'Golo Kanta, quatrième quand même. Très bonne course aussi de la part de Spark qui est sur des pneus M de 21 tours. Ouais.
Et N'Golo Kanta qui a dit que Senna, voilà, il a vu que Senna roulait 3 secondes autour plus lentement que tout le monde. Je pense que c'est l'aileron. Je pense que c'est l'aileron. Depuis le début, on a remarqué. Peut-être qu'il n'a pas voulu le réparer pour ne pas perdre trop de temps. Peut-être qu'il l'a recassé par la suite. Là, il va prendre le DRS, justement, LCS sur le goal mexicain. Et là, il le double. Il le double après avoir avec les pénas, parce que LCS, il en a eu beaucoup quand même des pénas. Donc, à voir. On verra bien. De toute façon, ça, on ne peut pas le savoir maintenant. Et ça, c'est vraiment très dommage de la part de Codemaster de ne pas avoir fait quelque chose de plus lisible, de plus simple pour le mode spectateur au niveau des pénas. On peut le deviner quand même. Parce que le goal mexicain était, il me semble, assez longtemps en tête ou devant. Et je n'ai pas vraiment souvent vu son nom en bas. J'ai pas souvenir justement de beaucoup de pénalités alors que LCS justement. Il a eu 5 secondes. Il a eu 5 secondes en entrée des stands. Est-ce qu'il est rentré deux fois au stand? Je ne crois pas. Je crois qu'il a fait qu'un seul arrêt au stand. Donc du coup, est-ce qu'il est possible de voir les arrêts au stand, mon cher Julien? Oui. Voilà. Alors le goal a fait qu'un seul arrêt, donc du coup ça veut dire qu'il a minimum 5 secondes. Et après, je pense qu'il a dû avoir une ou deux pénas, on va dire. Donc on va dire qu'il devrait avoir 11 secondes de pénas. Entre 8 et 11 secondes, je pense que Lucas est beaucoup plus haut. Je pense que LCS est beaucoup plus haut. Mais à lui maintenant donc, de cravacher. Il lui met déjà 2 secondes. Il lui met déjà 2 secondes. Donc du coup, on est sur le dernier tour là. Si tu pouvais mettre William aussi. Si tu pouvais mettre William pour le dernier tour en onboard. Pour ce magnifique feu d'artifice d'arrivée. Je sais pas s'il y a un feu d'artifice en Australie. Et oui. Simu William, le pilote de la Orx GP, la Orx Grand Prix qui va gagner ce premier Grand Prix. Et premier vainqueur de ce nouveau tournoi, de cette nouvelle saison. Premier vainqueur, donc du coup, qui sera William, secteur de drapeau jaune. William, et du coup, Giggs, bon deuxième à 4,6 secondes. 4 secondes 6. Suivi de Skyzy, donc du coup à 14 secondes. Et là, il arrive. Ah, Giggs qui prend 3. Et voilà. Première victoire. Bravo à William qui a fait une très belle course. Très, très belle course. Bravo à lui. Première victoire. Félicitations. Très bien joué. Et Giggs qui suit en deuxième position. Dylan qui s'était pris un tour, du coup, qui a terminé aussi, qui termine 11e. Et Skyzy qui arrive aussi sur la ligne droite des stands et qui finit 3e. Donc du coup, j'avais le... Je vais le tiercé gagnant. Mais pas dans le bon ordre. Mais voilà. On va dire que si j'étais parmi l'équipe du PMU, je t'aurais quand même remboursé ton gain. Pas de soucis, ne t'en fais pas là-dessus. Skyzy fait partie de FDA. Il représente FDA, pardon. Exactement, ouais. Un maximum de GG William dans le chat. Très belle victoire de sa part. Spark qui vient de passer la ligne aussi. Jacob... LCS qui arrive aussi. Bravo à William, bravo à tous les participants aussi d'avoir fait cette course. Bravo à vous. Très belle course. On a eu des beaux dépassements, on a eu de l'action. C'était très. Et le goal mexicain qui est passé donc du coup devant LCS. Alors que nous avons Daft Punk avec nous. Daft Punk, t'es gentil. Alors on n'entend pas si jamais ça bug de trop. Oui, Brian qui a 5 secondes de pénalité. Et Senna qui va en terminer là maintenant. Mais les gars, j'ai l'impression qu'il y a quelques nombres de pénalité, il y en a qui vont terminer demain, non, c'est ça? Exactement, voilà. C'est ça en gros. Et voilà le pilote du jour, Monstro. Ouais. Parce qu'il était parti dans les dernières positions. Bah il était parti dernier. Il était dernier. Il n'avait pas fait les qualifs. Il a fait un plus 10, je crois, si je dis pas de bêtises, ou un plus 11. Félicitations, Monstro. C'est ça, représente les courses du soir. Allez, les amis, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On va voir, bien évidemment, le podium. Ce superbe podium avec Skyzy. Qui lève la coupe, la première coupe de l'histoire. Voilà, celle-ci, on ne pourra pas lui enlever. Giggs qui termine... pardon, c'est Williams qui termine premier. Je l'ai mangé celui-là. Skyzy troisième. Giggs deuxième et Skyzy troisième. Et effectivement, Jesse qui disait.
la rencontre des deux mondes entre des professionnels et des joueurs un petit peu plus amateurs. J'ai reçu un texto d'un joueur qui veut rester anonyme. Apparemment, ça serait la même chose au niveau du football entre EFA et FVPA. Mais ça, ça, je ne dirais pas qui l'a dit. Le tacle à la gorge direct. Allez, on va regarder maintenant les pénalités, les amis. Les pénas. Effectivement, voilà. Beaucoup de pénas. Et du coup, je n'arrive pas à voir parce que c'est trop petit, mais... 6 secondes pour William, 9 secondes pour Giggs. Skyzy qui en a pas. Skyzy qui a juste ses 5 secondes. Skyzy, c'est bien ce que je me disais, je l'avais pas vu. Et je sais très bien qu'il est plutôt propre sur la piste. Skyzy qui a rarement des pénalités. Donc très belle performance de Skyzy qui a aucune péna. Je crois que c'est le seul. Je crois que c'est donc, le finalement, seul. Finalement. Non, il y a Asena aussi. Voilà. Mais bah, finalement, t'avais raison. Il aurait peut-être pas dû aller au stand mettre les softs parce que sans pénalité. Il aurait peut-être pu les freiner un petit peu et espérer gratter peut-être une place. Clairement. Ah oui, non, bah clairement. C'était une erreur. Après, je pense que CM devait être vraiment très aminé. Ouais, c'est possible. Il n'avait pas le choix. Mais en tout cas, très belle course de tout le monde. Très belle course de ce podium-là, enfin des trois premiers. Il y avait de la bataille, c'était vraiment pas mal. Merci les gars, bravo à vous, bravo à tous les pilotes, bravo à toutes les structures d'avoir accompagné leurs pilotes justement pour ce premier Grand Prix de l'histoire, le Grand Prix d'Australie. J'avais normalement le programme des autres, je vais vous la faire à l'écrit, je pense, enfin à l'oral plutôt, le programme des prochains Grands Prix dans 2 semaines. Nous partirons du côté de Suzuka au Japon, puis Monaco. Alors là, ça va être cool, hein. Je pense qu'il va falloir augmenter un petit peu les frais de tout le monde parce qu'on part sur Monaco dans, ce sera le 5 novembre, là où le burger vaut à peu près 60 balles. Ensuite, on partira du côté de l'Italie à Monza le 19 novembre et on terminera cette Q1 par le très 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 rapide. On va terminer par 2 Grands Prix très rapides. On ira du côté de Spielberg en Autriche pour l'un des Grands Prix les plus spectaculaires de l'année. You, si je peux me permettre juste une chose pour le prochain Grand Prix à Suzuka. Bien sûr. J'aimerais offrir un sub à la personne qui va réussir la même performance que Kimi Raikkonen en 2005 sur ce circuit-là. S'il y en a un qui y arrive, je lui offre mon sub, c'est gratuit, je lui offre, c'est cadeau. Alors pour les profanes, tu peux peut-être nous rappeler dernier. Ouais, il a tout simplement commencé à la dernière place. Bon, il y avait du monde derrière lui, mais après les pénalités, hein, lui, il avait aussi les pénalités, il a commencé en fond de grille. Et il a dépassé les grands Schumacher. Il y avait Alonso chez Renault qui venait d'être tout frais champion du monde, qui était aussi devant. Il les a miraculeusement, mais magnifiquement dépassés pour finir premier avec un dépassement sur Fisico. Fisichella dans le dernier tour pour s'adjuger la première place. C'est une des plus belles courses justement que j'ai vues de toute ma vie. S'il y en a un qui arrive à faire la même performance, allez, un deuxième sub si c'est le dépassement dans le dernier tour. Hein. C'est cadeau. Et donc pour clôturer, bravo à William de la Horse qui s'impose, Giggs d'Estudiantes eSport qui prend la deuxième place et Mr. Skizzy de FDA eSport. Voilà, ce sont le premier podium de l'histoire d'eSport FA. J'espère que vous avez passé une très très bonne soirée en notre compagnie. Les prochains rendez-vous bien très vite parce que la saison de foot va bientôt démarrer, la saison de basket également, il y en aura de partout. On espère retrouver très vite notre bon Tatane. Moi, je vous remercie du fond du cœur, Joker TV, The Joker TV. Voilà, la caméra qui va tomber. C'est le studio qui commence à partir en cacahuète sur la fin. Merci à Zouveka et à Saban. Et j'ai reçu un message d'une jeune fille, Saban, qui me demandait si on prononçait Saban ou Saban. Alors, on dit Saban. Je sais que Tatane, il adore dire Saban, et justement, parce que je lui ai dit que ça se disait Saban. Alors lui, il vient, il en rajoute, et les heures de plus grande affluence,
il aime bien dire Saban pour que ça rentre dans la tête de tout le monde, mais non, ne vous méprenez pas les amis. Le N se prononce. Ok, bien merci. Comme Peter Sagan. Tous comme Peter Sagan, exactement, avec la petite flèche du cycliste et la petite flèche là de notre commentateur. Merci à vous, le trio fantastique. Merci à Misa, merci à Skyman, merci à Tatane, merci à Ben, merci à Flo, merci à tous ceux qui ont œuvré pour que à Quentin, bien évidemment, que j'avais oublié de Motorsport Simu. Et voilà, et bien on espère que vous serez présents aussi dans deux semaines pour Suzuka et le Grand Prix du Japon. Bisous, bisous, passez une bonne soirée, ciao, ciao. Ciao, ciao.